Je ne me plaindrai plus jamais de mon poids. Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Samedi dernier, le 24 décembre, je suis allé au cinéma voir le film La Baleine, mettant en vedette Brendan Fraser dans le rôle de Charlie, un professeur à l'université qui est en obésité plus que morbide puisqu'il pèse 600 livres. Mais avant de parler du film en lui-même, j'aimerais faire un petit aparté. J'espère que vous trouvez la qualité de la caméra beaucoup mieux qu'avant parce que je viens d'acheter une nouvelle caméra. La raison est que j'ai eu un abonné dernièrement qui m'a fait un très beau don en argent, ce qui m'a permis d'acheter une caméra qui, j'espère, va être moins floue pour vous par rapport au niveau focus de ma face et l'arrière-plan. Donc, merci beaucoup Cédric, c'est vraiment, vraiment apprécié. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Sur ce, passons à la critique. Comme je le disais, le film en vedette Brendan Fraser et c'est réalisé par Darren Aronofsky. Ce film est un peu le comeback de Brendan Fraser au cinéma. C'est, comment dire, son meilleur rôle jusqu'à présent, je pense, ou plutôt sa meilleure performance à vie. Et vraiment, là, le maquillage, le fat suit qu'il porte, c'est incroyable. Tu ne vois pas que c'est un costume. Tu vois aucune ouverture de costume. Tu jurerais que c'est vraiment un gros. Et quand je me suis renseigné sur le film, j'ai appris que le costume qu'il portait pour faire ce rôle-là pesait 300 livres. T'imagines, tu portes un costume de 300 livres pour faire un film de cette ampleur-là. Le film, j'ai trouvé que, bon, c'est pas une histoire joyeuse, on s'entend là-dessus. Okay? C'est un film qui parle vraiment d'obésité. Et je pense que ça peut nous ouvrir les yeux à un certain point de vue sur cette condition-là que plusieurs ont. Pas forcément d'être dans les 600 livres, mais ceux qui ont un surplus de poids. Ça montre que c'est pas facile, mais ça montre aussi que ceux qui ont des problèmes dans le même, des fois, c'est qu'ils peuvent manger leurs émotions, tout ça. Mais là, n'est pas le but principal de ma critique. Le but principal, c'est de vous parler un peu de ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans le film. Personnellement, malgré le fait que c'est une histoire qui est vraiment pas joyeuse, j'ai capoté. D'un côté, tu as le personnage de Charlie, qui veut renouer avec sa fille, jouée par Sadie Sink, qu'on a pu voir dans Stranger Things, mais tu vois que leur relation est assez compliquée, puis tu vas découvrir pourquoi au fur et à mesure que le film avance. Plus que le film avance, tu te rends compte que chaque personne a leur lot de blâme là-dedans, de pourquoi certains personnages ne s'aiment pas ou ont du mal à s'encadrer. Et je trouve que c'est très réaliste de la façon que c'est abordé. Parce qu'on y pense bien, quand des personnes dans la vie de tous les jours ne s'encadrent plus, ne s'endurent plus, normalement, il y a des raisons. Des fois, c'est juste d'un côté, et des fois, c'est des deux bords. Et là, je trouve que ce film a transcrit parfaitement ces situations-là. Je trouve que le film montre très bien des relations entre des personnages évoluer, se dégrader, se renforcer, peu importe. Et pour moi, le film me donne un message un peu comme... Parce que le personnage de Brendan Fraser dans ce film-ci est un professeur à l'université, mais qui fait des cours en ligne, tu sais, via télétravail. Et il ne laisse jamais sa webcam d'ordi allumée, parce qu'il a peur que le monde rit de lui. Et ça m'interpelle à ce niveau-là, parce que, tu sais, il a peur que le monde rit de lui, et c'est normal, il y a de monde tellement méchant dans la vie que... Tu as ce côté insécurité-là que le personnage ressent, puis toi, en tant que viewer, tu as aussi cette insécurité-là d'un côté, en tout cas selon moi, de te dire... Est-ce que j'ai déjà ressenti un truc comme ça? Et moi, oui. Pas par rapport forcément à mon apparence, mais à cause de l'intimidation que j'ai pu vivre étant plus jeune, l'intimidation que je vis en ligne maintenant que je suis une personnalité publique, de tout ça. Ensuite, pour revenir au fait que le film est comme triste en tant que tel, c'est parce que le personnage de Brendan Fraser dans ce film-ci ne s'aide pas volontairement. Tu regardes les trucs qu'il mange dans ce film-là, c'est... Par exemple, qui n'aime pas se coller une pizza Salvatore ou un Domino's de temps en temps? OK. Mais quand son personnage à lui se colle deux pizzas, puis que les deux pizzas passent dans le même repas, puis c'est des pizzas 14 pouces, hein, les plus grosses, pratiquement, tu te dis tabarnak. D'où tu sais que ta santé est fragile, aide-toi un petit peu.
Et ce film-là était justement la motivation qui manquait pour recommencer à faire un peu de tapis roulant parce que j'ai flaqué dans les dernières semaines. Et honnêtement, le film, je trouve qu'il est rempli de très bonnes performances. Brendan Fraser, comme je disais, il donne pour moi la performance de sa vie. T'as Sadie Sink qui ici joue une ado rebelle. T'as le personnage de Liz qui est l'amie infirmière de Charlie dans le film. T'as le personnage de Thomas joué par Tyson Kidd qu'on a pu jouer, voir plutôt dans Iron Man 3, dans Avengers Endgame, dans le caméo, dans les films Insidious chapitre 1 et 2, puis plutôt le Metal 5 qui s'en vient l'an prochain, qui joue un personnage un peu comme qui fait du porte-à-porte pour sensibiliser les gens à la religion. Le fait que ce film-là est adapté d'une pièce de théâtre, tu le ressens un peu pendant le film parce que ça se passe, c'est relativement bien condensé dans un seul lieu pratiquement tout le long du film. Je trouve que le film peut sensibiliser les gens en regardant ce film-là, tu leur dis, OK, regardez ce que ce personnage-là fait avec sa vie. Dites-vous que si vous passez dans des épreuves similaires, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour ne pas finir comme lui. Et ça, c'est un message que moi, je ressens après avoir vu le film. La raison pour laquelle je lui donne seulement un 8, alors que j'ai vraiment aimé mon expérience, c'est parce que le film a quelques longueurs. C'est un peu tout pour cette vidéo critique. Donc, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?